Hello tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter du coup notre book haul de la semaine. Donc on a reçu pas mal de livres, mais c'est pas non plus un géant book haul. Donc je commence tout de suite avec nos livres partenaires. Donc les éditions Tornada nous ont envoyé La cave aux poupées de Magali Collet. Donc c'est des livres d'horreur. Donc ma mère en a lu d'autres, donc je vous mettrai ses avis en barre d'infos. Le Muscadier nous a envoyé 4 livres. Donc il me semble que j'ai fait une vidéo intégrant Restez Vivant, donc en présentant la collection Restez Vivant, donc je vous la mettrai par ici ou par ici. Donc ils nous ont envoyé Maman les petits bateaux qui parle de viol, Caméléon qui parle de trisomie, donc plus non d'autisme, donc plus précisément les Asperger. Donc ça c'est dans la collection Saison Psy avec Déconnexion. Donc c'est pas la même collection que Restez Vivant. Et Black Friday. Donc voilà, j'ai déjà lu ces trois là. Il ne me reste plus que celui-là à lire. Et ces trois là j'ai beaucoup aimé. Je pense vous faire une vidéo pour chaque livre. Les éditions Casterman nous ont envoyé deux livres de la collection Hanté. Donc il y a L'Ami du Sous-sol et La Maison sans Sommeil. Donc c'est une nouvelle collection qui sont sorties. Donc c'est un peu comme des chairs de poule. Mais ça c'est à partir de 10 ans. Et il me semble que ça fait moins peur ou que c'est semblable. Donc voilà, j'ai hâte de lire parce que moi j'aime beaucoup les chairs de poule. Les éditions les livres du Dragon d'Or nous ont envoyé donc, un petit livret. Donc c'est Smiley World, émoticône. Donc c'est 500 stickers. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et les éditions Flammarion Jeunesse nous ont envoyé les chroniques de Kelton, le tome 1, donc La Pluie Vérité de Jack Haight. Donc c'est un livre qui a l'air vraiment bien et il y a un tome 2 qui va sortir. Donc ça se présente un peu comme ça, je trouve que c'est hyper joli et que l'ouverture en plus elle est hyper belle. Donc on a trouvé dans les boîtes à livres, donc Allez fou mon petit frère, donc Deux espions à Fécamp de Bertrand Solé. Petite encyclopédie Hachette des vins, donc ça c'est pour mon père, donc lui chez les éditions Hachette. Ma mère a trouvé deux livres donc de la série Anita Blake, donc le tome 10 et le tome 11. Donc le tome 10 c'est Narcisse Enchantée, donc publié chez les éditions Milady, les éditions Milady. Donc et le tome 11 c'est Péché Cérulien. Donc elle avait commencé la collection en petit format et du coup elle a trouvé les deux en grand format. Donc elle ne sait pas si elle va continuer, c'est en petit ou en gros format. Donc je vous mettrai le lien du tome 1, donc de son avis sur le tome 1 en barre d'infos. Et si vous cliquez sur le lien, donc tout en bas de la chronique il y a vers le tome 2 et vous cliquez, ça vous emmène vers le tome 2 et ainsi de suite. Donc j'ai terminé pour les livres. Des boîtes à livres et là du coup on a acheté donc des livres, donc il y en a trois qu'on a acheté dans la librairie Jofac et 6 livres qu'on a acheté au supermarché. Donc moi j'ai pris donc Super Starlight, donc voilà, et dedans il y avait deux posters qui étaient vraiment beaux. Pour mon frère, on lui a pris le tome 26, donc À la recherche de l'épée de lumière, donc La cabane magique, et le tome 27, L'étrange palais de glace. Donc avec, il avait le droit à une petite lumière. Donc au supermarché, on a acheté Cache-cache petit chien. Non, ça c'est France Loisirs. On l'a acheté à France Loisirs, mais... si vous avez vu notre book haul de la semaine dernière, on avait beaucoup de livres et celui-là était passé sous la trappe, donc je vous le présente. Donc ça c'est le livre qu'on a acheté mais pas à France Loisirs. Donc Timothée, fait du vélo, publié chez les éditions Grunt. Je suis en CP, jour de piscine. Et trois cahiers d'activité, donc Gommette pour les petits, donc ça c'est Cars 3. Spider-Man et Avengers. Donc voilà, c'est
C'est rien, c'est juste que ça tombe. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a reçu, mais c'est déjà pas mal. Donc juste la semaine, donc cette semaine, il n'y aura pas de vidéo qui va être publiée parce qu'on met en pause le blog et la chaîne YouTube. Mais on revient, je reviens le lundi d'après. Donc je pense qu'il y aura des vidéos qui vont sortir, donc toute la semaine, donc la dernière semaine des vacances, il y aura des vidéos qui vont sortir, c'est sûr. Donc voilà, passez de bonnes vacances, lisez, ayez de belles lectures. N'hésitez pas à partager, à liker et à nous suivre sur les réseaux. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.